Salut, salut les potos, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme comme prévu. On retourne sur du contenu spécial Assassin, la nouvelle classe de Lost Ark. Il va y avoir trois vidéos, j'ai décidé. Une vidéo au début du tuto, une deuxième vidéo fin du tuto, plus présentation des deux classes complètes, puisque à la fin du tuto, tu peux tester les sorts et les deux classes, donc ça devrait te plaire. Et dernière vidéo, ça va être du contenu un peu plus au niveau genre level 20, level 30, à savoir que je vais monter toutes les classes de toute manière level max, que je vais faire des tutos sur toutes les classes, des vidéos sur toutes les classes. Donc voilà, merci pour votre retour sur l'autre vidéo, ça m'a fait super plaisir. On va vous faire un maximum de contenu de toute manière, on est motivé, c'est parti. Donc je découvre le tuto comme vous, je voulais faire voilà comme si vous débutiez le jeu. Donc si tu veux vraiment pas découvrir, je t'ai sauté dans tous les cas la cinématique pour pas que tu sois spoilé, parce que là normalement t'as une toute belle cinématique, elle est magnifique. Et surtout je veux que tu puisses découvrir le jeu, et si tu veux pas, tu zappes vite ce passage pour pas que tu sois spoilé. Alors je me souviens même plus des touches, donc je reprends comme vous, comme si j'étais un débutant. Voilà, je vous passe aussi un peu le scénario, que vous puissiez quand même avoir une petite sensation de découverte, tranquillement. Comme vous pouvez vous apercevoir, le jeu est vraiment joli. Pour les gens qui n'ont jamais vraiment joué, sachez que chaque classe a un tuto et un départ différent. Et après, tout le monde se retrouve de mémoire au même endroit. Ça, vous me corrigez si je me trompe. Tout le monde, on va vite le certifier. Alors, appuyez sur I. Clac, je pense qu'il y a une arme à équiper. Enter the Hide Castle. Allez, on y va. Mettre le son peut-être un peu plus fort pour vous. Ah, peut-être qu'à la fin, si vous voulez, on peut aller voir dans le cash shop pour voir leur tenue, pour se faire plaisir un petit peu. Allez, c'est parti. Alors les sorts, on découvre ensemble. On a quoi? Une attaque autour de nous. Double épée, 60 dégâts. Ensuite, double sword. Light liquor, 9 dommages. Un mec. Donc ça c'est un tourbillon un peu, voilà. Whiff, double sword. You can quickly cut. Ok. Tous ceux qui sont dedans, à mon avis, il se passe un truc. Et celle-là. Je me réhabitue au bouton. Il faut savoir que là, tu tapes avec le clic gauche et tu bouges la souris, ton personnage avec le clic droit. Tu peux inverser si tu le désires. Je me souviens même plus ce qui est normal ou pas. Tu me diras en commentaire. Normalement, dans les autres jeux, comment c'est. Je me souviens même plus tellement que j'ai pris l'habitude maintenant. Ouais, donc là, tu tapes clic gauche et tu avances clic droit. Je sais plus si j'avais inversé ou pas. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la petite dame? Qu'est-ce qu'il est beau, ce jeu? 후방지원이라. 뭐 괜찮아. 왜 눈을 치켜뜨고 그래? 장난이야, 장난. 걱정할 거 없어. 나만 믿어. Alors, je crois qu'on peut zapper le tuto aussi à un certain moment. Peut-être que je prendrais cette option, du coup, ça ferait que deux vidéos au lieu de trois. C'est peut-être plus sympa pour vous, plus court, plus efficace. Donc, on va voir ce qu'il nous propose, comment ça se passe, combien de temps ça dure. Après, il n'y a pas d'urgence, hein. C'est pas comme si le jeu sortait demain. On prend le temps, vous découvrez le jeu tranquillement.
나는 난간 쪽에 있는 놈들을 처리할게. 행운을 빌어, 병아리. 'Est-ce que c'est beau? Sumien Passer est saillant à ça. Arrête-toi, qu'on dit dans le chambre de l'envoi. Elle suit. Là, on lâche du gaz. Regardez les chauves-souris comme c'est beau. Vous avez vu sur la minimap en haut, vous avez le chemin. Ils ont vraiment pensé à tout. Moi, ce qui me tue, c'est que depuis le temps qu'il est sorti ce jeu, on n'a pas eu quelqu'un qui était capable de nous faire un jeu identique, bordel. Allez, on va péter le grand méchant. Comme d'habitude, on va arriver au moment où il y aura toujours le grand méchant, patati patata. Regarde si j'ai rien oublié à ramasser. Alors, qu'est-ce qu'il faut se faire? Donc tu vois, tout tourne automatiquement, c'est vraiment propre, c'est vraiment fluide. Ah, la caméra se remet toute seule en place. Cagneux, alors, surprise attaque. Esquive. Super joli. Quand tu vois, tu passes devant le poteau, automatiquement ça s'efface légèrement, ça s'estompe. Ils ont pensé à tout, quoi. Yeah.
Ah, regarde, là j'étais en l'air, je pouvais pas esquiver. Grand méchant. Toujours. Donc, tu vois, le grand méchant en haut, il a toujours plusieurs barres de vie. Hein. Donc là, comme un gogol, j'ai appuyé sur le clic gauche pensant qu'il allait bouger mon perso, mais vu que c'est inversé, il a pas bougé, donc je me suis pris là-haut. Faudrait que tu prennes l'habitude aussi où tu changes dans les contrôles. Bon, faut juste que je m'y réhabitue. Vraiment stylé ce jeu. Tu me diras en commentaire ce que t'en penses, hein, comme d'habitude. Je te laisse découvrir le petit tuto. Je pense que c'est important aussi de montrer le début d'un jeu. Les gens montent toujours au milieu quand ils ont 15 000 sorts, tu sais, genre pour en mettre plein la vue. Mais ouais, voir un peu le début, comment ça se trame, comment c'est amené, c'est important. Et après, tu montres des gameplays un peu plus avancés. Je pense que c'est plutôt sympa et si cette formule te plaît, on le fera peut-être sur les autres. C'est toi qui décides en commentaire comme d'habitude. Donc là, il faut savoir que je fais rien, j'appuie juste sur G, je te le dis, et le personnage monte tout seul ou saute tout seul. Hein. C'est quand même un peu scénarisé. Donc soit je descends, soit tu montes. Souvent, tu as des choix avec des conséquences plus ou moins différentes. Moi, je suis un ouf, je monte. Quelqu'un qui descend. Ah bah tu vois. Tu aurais même fait descendre. Hein. Et non. On n'abandonne pas. Pas gentil.
그렇구나. 다카는? C'est vraiment joli, il y a beaucoup d'AOE. Hein. Faire un joli tas, regardez. Hop, économiser vos sorts toujours. Elle a un sort qui doit y avoir une régène, parce que sa vie elle remonte un peu quand même. Allez, c'est parti. Je parle pas trop pour que tu puisses un peu écouter comment ça se passe, les combats, les sorts, les ennemis. Puis ça sert à rien de parler pour parler aussi, hein, bien sûr. En tout cas, moi j'aime bien, c'est plutôt sympa comme classe, c'est un peu énervé. J'ai du mal avec le bouton gauche qui frappe. Ouais, quand je vous ai dit que ça faisait longtemps que j'avais pu jouer et que je reprenais avec vous, c'était pas du mytho, hein. C'est ça va revenir les boutons. Réflexe.
키르카, 이걸로 끝이다. 다들 수고했다. 이제 남은 소리가 들린다. 나를 부르는 목소리가. 왜 너희들이 가진 힘을 사용하지 않지? 먹지 못한다면 먹힐 뿐이다. 제키야, 안 돼! 방금 바르도프 어떻게 다시 어서 쫓아가자. 그 자식 멀리 가진 못했을 거야. 여기서 죽여야 해. très joli petite chauve-souris. Petit château, ça fait un petit cachet. Non, vraiment sympa. Hein. C'est, je sais pas ce que t'en penses, mais oh, petit piano. Il va se passer quoi là?엄청난 기운이야. 왜 아베스타는 우리에게 거짓말을? 더 사파. 그럴 리 없어. 아휴. 속임수일 뿐이야.
Le son est pas mal. J'aimerais que vous puissiez mieux l'entendre.소리가 들려. 아메스탄은 왜 우리에게 숨긴 거지? 들어봐. 이 안에서 목소리가 은하를... Ce que je vous propose les potos, c'est qu'on arrête la vidéo ici. Comme ça, pour la prochaine, on finit les niveaux, on passe niveau 10, on choisit la profession, comme ça vous voyez, enfin la profession, l'orientation, si on part sur un bled ou un démoniste, comme ça vous voyez tous les sorts, on se prendra le temps, sinon ça va vous faire des trop longues vidéos et c'est pas forcément le but du jeu. Donc dis-moi en commentaire si ça t'a plu de voir l'intro, dis-moi en commentaire si t'es pressé de voir les sorts, les choix entre bled, démonique. Ouais, c'est démonique, voilà, je me trompe pas. On regardera ça tranquillement ensemble. Donc voilà, petite intro sans prétention, tranquillement. Je te dis à bientôt, ciao ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, partage, abonne-toi, coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt, ciao ciao.